Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Vince pour l'épisode 11 de l'Iron Man Challenge. Je vous avais abandonné dans les terres des Gnolls. Je devais aller tuer leur chef, le fameux Salcoen, bien entendu. Et je vais aujourd'hui tester un nouveau format de vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. En fait, comme l'Iron Man Challenge c'est très long, je vais faire des sessions de jeu d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour moi. Et je vais vous commencer ça en une quinzaine de minutes. Pour voir, voir ce que ça donnera, en espérant que ça donne un peu plus de rythme et que ça soit un peu plus rapide, etc. Ça pourrait être vachement bonne chose. Et comme ça, je passe level 15 tout doucement. Tout doucement, level 15. Je peux aller en donjon, mais je ne peux pas aller en donjon. Donc je vais prendre ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Et donc, excusez-moi. Nouveau format de vidéo, plus rapide. Ça va être plus cool. Plein de nouveautés, plein de nouvelles choses. Et voilà. En espérant que ça vous plaise encore une fois. Donc ça va être plutôt long, je vais passer tout ce qui est déplacement, etc. Voilà, on galère un petit peu à tuer ces saloperies de gnolls. Ils sont plutôt forts. Par contre, les objets verts, je ne peux pas les équiper, bien entendu. Je reste en full gris. En full gris. J'ai débloqué le donjon là, plutôt nice. Profitez de la musique, hein. Très belle musique dans la Marche de l'Ouest, bien entendu. Allez, meurs, nice, 3 sur 5, et ça avance bien là, je suis content. Transformer en loup, c'est trop fat. Faut qu'on aille jusqu'à la petite ruine qui est la bobo, donc on va vraiment essayer de faire attention de pas aggro trop de monstres. Parce qu'on n'a pas envie de faire les bêtises, on n'a pas envie de mourir. Ça serait game over. Désolé d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas posté, je n'ai pas mis de vidéo de l'Iron Man Challenge. Mais ça va revenir, je vais vous en faire quelques-unes. D'ailleurs, je ne serai pas là la semaine prochaine, toute la semaine du coup. Je vais vous préparer tout ça pour que ça sorte de manière assez fluide. Mercredi et samedi, 16 h. On va essayer de faire ça comme ça sera cool. Mercredi, samedi, 16 h, Iron Man Challenge. Prenez rendez-vous. Peut-être pas 16 h, ça fait tard 16 h non? Enfin, c'est mieux l'après-midi, c'est pas cool pour tout le monde, je sais pas. Ouais, on va dire 16 h, c'est bon. 18, bref. Mercredi 18, samedi 16 h, voilà. Ça c'est une bonne idée. Bref. Alors Mystique, on est dessus. 3 sur 5. 3 sur 5, vas-y meurs. Bon ça va, je prends plus trop de dégâts, c'est cool. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, hein. J'ai une barre pleine d'XP. Ouais, je peux essayer de pull lui tout seul. Est-ce que je peux le pull tout seul? On va essayer de le pull tout seul. Et vous savez quoi? Semaine prochaine, surprise! Nouveau project qui arrive à son terme. Nouveau projet pour les fans de WoW, bien entendu, et les anciens joueurs, et pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que ça sera drôle, ça sera donc basé sur WoW. Et ça sera plutôt marrant. Donc, je donne rendez-vous pour la semaine prochaine, je sais pas quel jour. On mettra ça sur Facebook ou Twitter. La date de sortie de l'épisode, du nouveau projet. Bon, Mystic Riftpad. Faut que j'arrive à tuer Salcoen, hein. Alors lui il a 220 PV, Salcoen il en a combien? 1125, ok. Ok. Il en a 3 fois plus que moi. Je mets des coups de bâton. Ramasse, je prends combien un coup de bâton? 29. 13460 PV, ça va. Il me reste 30% de mana, un sort ça me coûte 4. Et ça me coûte combien? 53. Oh merde. Allez, régène de mana. Dépêche-toi. Je fouille. Rien à foutre, je fouille. Putain. Il Mora, salaud de Mora. Tiens, je te mardote. Allez, vas-y, c'est lui ou moi. C'est lui ou moi, là. Dernière ligne droite. Putain, sa mère. Oui. Putain, je l'ai eu. Sa mère. Ça te marie vers de Dieu pris pour nous. Putain, mon Dieu, quoi, je m'en sors. J'ai bien cru que c'était la fin. Ah merde. Bien bonjour, très cher. C'est Elix qui est responsable des attaques des gangs. Il est à l'intérieur. Cela fait des jours qu'il est là. J'attends juste une excuse pour le coincer. Ah, machin truc s'est réfugié dans la vieille tour de Klaven Morteveil. Je ne vais pas vous mentir. Moi-même, elle est farouchement gardée. C'est très cool, bon. J'ai peur. Du coup, je me dis ce que je vais faire. Prenez cette potion de voilage, vous en aurez besoin une fois à l'intérieur. Avalez là dès que vous aurez posé le pied dans la tour et dirigez-vous vers le sommet. Ok, nice. What the fuck? Pourquoi ils sont... Pourquoi faut que j'aille dans la tour? Ils ont 1600 PV, moi je veux pas là. Attends, attends. Est-ce que le tourbillon a à voir avec quelque chose? Nope. Nope. Bon. Découverte totale de la quête, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire. Moi je veux juste des mercenaires rouges niveau 13 élite. Que j'ai pas trop envie d'aller face parce que j'ai pas envie de mourir. Vas-y, bute-le. Bute-le, putain. Fais un truc de cool, nice. Oh merde, sa mère. Sa mère là. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Vas-y, prends-toi la tornade. Ouais, moi aussi, comme un débile. Et voilà, ils sont tous morts. Je l'ai eu trop facile. Mais non, mais vas-y, mais la rente de la tornade elle est immense, là, ça me fait chier. Non mais va te faire. Casse pas la tête là. Rentrons dans la tour. Limite de Tower. Et Invisible. Montons au sommet de la tour. Jouez maîtresse. Ils ont fourni la diversion dont j'avais besoin. Nous poursuivons selon le plan. Tout à fait, tout à fait. Mais maîtresse, l'amiral est encore un débile. Nous le libérons pendant l'aube. Tout à fait. Oui, maîtresse. Le jour du jugement sera bientôt là, Elix. Mais venez les maîtresses, appelez les gens. Je vais leur parler une dernière fois avant l'arrivée de l'aube. Tout à fait. Oui, salut maîtresse. Bon, vas-y, t'as fini de discuter, que je me suis allé en la quête, s'il te plaît. Est-ce qu'on s'amuse? Marche de l'Ouest. Ici nous avons une révolution de pécor. Ah, faut quand même dire qu'ils sont quoi? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contre 4. Ah, certes, ils ont des ballotins et pas d'épée. Ils lancent des bananes. Bref. Faites le forcing les gars, vous passerez hein. Du rififi à Ruisselune. Rapportez vos découvertes à Maréchal Grillon. À la colline des Sentinelles, dans la Marche de l'Ouest. Tout à fait. Bonjour, Maréchal. Non, mais je peux pas mettre des objets verts. Je vais tout vendre aux marchands. Je ne peux mettre d'objets verts. Quelle idée saugrenue. Que veut d'abord faire un Iron Man Challenge. Comment vas-tu, Albert? Oui, allez, moi aussi. Non, bonne journée. Comment vas-tu, Tina? Moi aussi, on va pouvoir fly, on va pouvoir prendre le fly, aller vendre les objets à la GVR. C'est beaucoup trop fat, on va se faire des gueules. Ça, ça vaut quelques sous normalement. Alors, que doit-on faire? Il faut récupérer des informations au sein de Ruisselune. Ah tiens. Ah, elle est ravie. Ah, ah, intéressant. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Tiens, je suis dans la tronche. J'aimerais bien passer level AC pour avoir mon premier totem. pourrait s'en sortir beaucoup mieux. C'est là on va devoir forcément avancer très doucement. Éclair, éclair. Se croirait revenu à Bagnères. Tout à fait. Full éclair. Ah, une quête. Intéressant. Je ne peux pas encore lancer ce sort. De l'expérience, les copinous. De l'expérience. Comme ça, avec ce nouveau système, j'espère pouvoir faire plus d'un level par épisode. Ou plus d'un demi-level. Heureusement, ici on a la barre. La barre bleue. Mon dieu, la barre bleue. Tiens, meurs. Bah, on va faire le campement de Ruisselune. Tout à fait. Après, on va. Arrêtez là. On est dans un campement de clodo. Putain, j'aurais à faire chier. Viens la nervie. Je te punisse. Alors le coup de tort. Très pas du tout. Au Milan. Au Milan. Vas-y bouffe le mec. Mon plaisir est moi. Non, je peux pas demander l'aide de l'autre joueur. Ce sort n'est pas encore prêt. Pire c'est que lui il peut le one shot alors que moi je l'ai pour 1000 ans à tuer un gars. C'est toujours en cours de recharge. 1000 ans à tuer un gars. File-moi ton foulard, monsieur à la moustache incroyable. Au bouc. Au bouc il fallait l'injure de ta tête. Tout à fait. J'ai 3 foulards sur 6, j'ai besoin de récupérer des objets, je pense, ici, dans cette grande bâtisse. Le tout est de pas se faire trappe par des nervis. Histoire de pas mourir. Mais voir la cave, c'est souvent la cave. Pas du tout, c'est pas la cave, il y a que dalle, il y a des grands flux. Qui sont même pas pleins, j'imagine, c'est pas intéressant. Allons voir à l'étage, dans les chambres. Si il y a quelque chose d'intéressant, il y a des clodos qui dorment partout. Bon, tant mieux pour eux. Ah, je vais leur faire à manger. Bon, les gars, je vois un fût ici, d'accord. Ah, nice. On va aller voir mon coffre à jouer. Il y a un truc pour leur faire à manger, non? Tiens, je te fous un tonneau. C'est toujours en cours de recharge. T'as plus, mec. Ah voilà, une corbeille, voilà. Il faut une corbeille de fruits les gars. Ah si, je pourrais utiliser le truc pour me transformer en elfe de la nuit transparent, plutôt stylé. Voilà, c'est pas ça. Faut pas... Moi, voilà, rien à foutre. Gamin, c'est bien. Je vais tout sauver. Ah, c'est pas bon ce que t'as mangé, toi. Je suis désolé. Viens là, mec, je suis Gamon, j'en ai plus rien à foutre. Je te pète ta gueule avec une hache. Tu ramasses. Vous allez payer pour vos crimes. Vous allez payer pour vos crimes. C'est bon, voilà, trop puissant. Sachez qu'avec les jouets, bien entendu, ça ne change pas les stats de mon personnage, hein, bien heureusement. Je ne peux pas encore le lancer. Pour moins se faire plaisir un petit peu, de pas que je ressemble à un clodo. Bon, après, je ressemble à un clodo, mais Thoraine, du coup, c'est pas pareil, mais c'est sensiblement la même chose. Alors, qu'ai-je besoin? Exemplaire de la voie de Ruisselune. Non, il se trouve sur la voie principale. Ah. Pourtant. La voix. Ah, je peux lire cet objet. Un groupe de sans-abri généreux massacré derrière la ferme de Fonce-Bouille. Selon le témoin, les 4 hommes tués à la ferme de Fonce-Bouille étaient en route pour livrer les tartes au gravillon à Arfuge. Tartes au gravillon, mais quelle gentillesse! Sur la côte est. Lorsqu'ils ont été attaqués, Jim Bouille, Mac Hannigan, un témoin oculaire a déclaré: j'ai tout vu comme je vous vois, c'était un homme à l'air louche. Il a massacré ses pauvres clodos en plein jour en criant des obscénités et des slogans pro-hurlevent et pro-variant vrime. Je pense qu'il a tué Loup juste après. J'étais trop secoué pour regarder. Putain, le mec, ça fait longtemps qu'il joue. Ah, mais si, je me suis déjà remarqué, je suis con. Salutations. Certes. Non mais ça sert à rien que tu regardes, je ne peux pas... Je ne peux pas mettre les verres sur moi. J'en ai marre. J'espère pouvoir avoir les épaulières un jour. Bien entendu. Informations récoltées auprès de Ruisselune. Allons récolter les informations. Non. Non, vous voulez pas les récolter les informations? Mais moi je veux aller récolter les informations, bon sang. L'assemblée va commencer, putain non mais si vous... Eh les gars, je suis gentil moi, hein. Je vous aime, regardez, je vous fais de la nourriture. Moi je veux pas que vous me fassiez du mal, je vous donne un train électrique. C'est bon, prenez mon train putain. Prenez mon train électrique. Franchement, je me casse. Et me pète pas de mal les potes. Je suis garde de rêve. Bon sang. Voilà, je mets un totem d'harmonie, voilà, devenez copains. Je vous donne un peu de bière, vous voulez pas, non? Vous voulez pas un peu de bière? Bah m'emmerdez pas, prenez ma bière. J'ai pas beaucoup de sous, mais... Non, ça se passe ça sert à rien, tout le temps. Voilà. J'ai mon projecteur personnel. Je vous donne mon... Je vous donne ma poupée. Tiens, prends ma poupée, toi, là, monsieur. Espèce de vanupier. Prends ma poupée. Et va jouer ailleurs. Ah voilà, je me fonds dans la masse. Vous voulez faire une partie d'Hearthstone? Tiens, t'es que toi. Mademoiselle, bah oui, qui raconte sa vie. Aujourd'hui, nous relaissons, aujourd'hui nous levons, hommes et femmes. Allez tiens, une partie d'Hearthstone avec moi. Non, ils veulent pas jouer à Hearthstone. On va aller à l'ouest, on va aller chercher le trésor du capitaine Sanders. Invoquons notre chauffeur, ce qui va nous amener jusque là, calmement. Ça va le chauffeur, ça va la vie, bah oui. Ferme de petits ronds des Fonce-Bouille. Non, 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 non. Pas de bêtises, Vénus, tu te calmes, tu ne rentres pas dans les campements de gnôles. Je pense qu'il va nous faire remonter jusque là après. Je dis peut-être une bêtise mais... Je suis sûr à 20% que j'ai raison. Oh, tiens, je te laisse galérer, t'as rien à foutre. Et boum, j'avais pas raison. Forcément que j'avais pas ma raison, je connais pas cette zone. Ah nice, on va devoir tuer lui. Tiens, moi je te pète ta tronche, moissonneur énergisé. Je suis une tornade de douleur. Ouais, si tu le dis. Je suis une tornade de douleur. Est-ce que je passe de level? Yup, 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 yup. Eh les potes, j'ai raison, j'avais pas raison. Bien sûr que j'avais raison, faut qu'on retourne au nord. Putain, j'en ai marre. Je vous retrouve au nord. Voilà, à tout de suite. Si seulement ça pouvait aller aussi vite que dans la vidéo. Je me téléporte au nord directement. Et vous savez quoi? Parce que j'ai pas vraiment coupé encore. J'ai mon totem incendiaire. C'est trop stylé. On va commencer à faire les damages. Nice. Faut pouvoir tuer les gens. Ça va être sympathique. Alors, nous revoilà au nord. Mais j'en ai marre. Mais le pire, c'est que je peux même pas aller prendre. Ah, un 5-8 emplacement. Nice. Nice. T'es souhait. Chemise du capitaine Sanders. C'est où qu'il faut aller? Sur l'île du capitaine Sanders. Bon les poteaux. On va terminer par ça, hein. On va terminer sur l'île. Ce sera très bien. Si là on va poutrer les trucs en mettant un totem de feu. Qui va faire des dégâts. Parce que c'est beaucoup trop cool un totem. Allez totem, tape. Tape. Ouais 9 de dégâts, c'est vraiment que dalle. Ah vas-y tape totem. Et putain. Vas-y totem. GG. moi, Gamon. Je vais tous vous le sauver. Je ne peux pas encore on va se transformer en ça. Voilà. Le sort n'est pas encore utilisable. Peut-être qu'en tant qu'elfe de la nuit, je serais plus fort. Ça va être quoi ? Moi j'en ai rien du tout parce que c'est de la merde. C'est de la merde ce que je raconte. Clampin des mers. Je connais... Et là vous avez un clampin des mers qui saute. Mais... Et heureux, et les gars, j'ai eu un petit problème au montage. Et j'ai pas la fin où j'arrive sur l'île du Capitaine Sanders. Du coup j'ai récupéré le trésor et j'ai TP à Relevant. Donc voilà, je suis Relevant, je vais aller à l'HB pour rendre ce que j'ai récupéré. Je ne suis pas mort donc voilà, c'était pas pour, pour des bêtises. J'ai juste fait TP parce qu'il n'y avait personne sur l'île, j'ai mis la chemise du Capitaine Sanders sur moi. Voilà, c'est tout. Oh mon dieu. Alors est-ce que ça ressemble à quoi sa chemise? Bah à que dalle, donc ça ne va rien. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous et à très bientôt pour l'épisode 12.